Eh mes viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'aventure sur Mountain Blade avec le mode Viking Conquest, putain nom de dieu de bordel de merde. What? Après consultation des pères, le roi du royaume Jarl machin a décidé de vous donner... Oh bah j'accepte cet honneur. En fait, je l'avais demandé. Je l'avais demandé à la rigolade en fait, tu vois. D'accord, bah... Ah ouais? Ouais, bah écoute! Allez! Bah c'est cool ça, putain! Allez, on y va! Donc là, je vais aller à Dawnsaster, histoire de monter un petit peu... Enfin, de voir ce qu'on peut faire déjà, comme... Ah putain, il y a le mur d'Adrien! On va aller au mur d'Adrien! Ah, bah, on va pas aller au mur d'Adrien! On va aller au mur d'Adrien! Donc anciennement le mur d'Adrien, donc le mur d'Adrien c'est un mur qui avait été construit par les Romains pour séparer le nord du sud. Donc le sud qui était romain et le nord qui était barbare on va dire, qui était aux Bretons. Et puis c'était la ligne quoi. Et donc je sais qu'ici il faut que j'aille voir l'ancien Romain. Mon nom est Krugar Adblockson. Qui êtes-vous, monsieur? Je vis ici avec ma famille depuis plusieurs générations. Un de mes ancêtres qui a pris une résidence ici dit être un Romain, ou peut-être qu'il était de la lignée romaine, machin, machin, machin. Cet endroit où vous êtes arrivé est Valum Aelium, le mur d'Adrien. Ici est devenu la frontière de la civilisation, ce que je vous expliquais. La pensée de Rome me dégoûte. Non, Roma Victrice. Moi j'aime bien, vous savez, j'aime beaucoup l'Empire Romain. D'accord. Il veut que je lui ramène 8 sacs de blé. Si ça se trouve, je les ai, attends. Pas vraiment. Ouais. Ça se trouve, tu les as ou pas, hein. Là, pour le coup... Bon, alors, on est plus dans les ou pas, quand même. Demander des recrues, non. Non plus. Ah, c'est un château, ça, d'accord. Ça, c'est quoi? Des bandits. Oh, ils sont 6, c'est fou. Ah, 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 là, ils sont 39, ça m'intéresse. I'll tear you limb from limb. J'ai 121 soldats, t'es sérieux? Putain la vache, 121, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal du tout, en fait. Alors. Allez, bottes de bâtard, on va défoncer la gueule au... Allez les bretières. Vous êtes chaud patate? Ouais. Parce que les lanciers... Les voilà. Hop, cassez-vous. Ils vont me piquer de l'XP, eux. Bande de petits drovignons. Pichour. C'est Tonton Krug. Oh. Oh. Aïe, ou, aïe, ou, aïe. Oui, allez, vas-y. Caillassé, t'as une femme infidèle. Lapidei. Quand vous voulez un... Ouais, c'est bon, ils sont là. Krugar Adblockson a tué les trois quarts de l'armée. Ouais, tout est fait, ouais. Ouais, je suis un petit peu cheaté, là. Krug is on fire. Oh yeah. Ah bah t'es mort, hein. Tu vas où avec ta foufourche, toi? Oh là là, bandit de grand chemin. Asbjorn, notre Gotti, notre... comment ça s'appelle? Le prêtre païen, là, qui nous accompagne, fait des kills. Ça, c'est les fuyards, on va essayer de les buter, quand même. Oh, la tête! J'ai encore raté la tête. Ah merde, j'avais pas équipé le couteau de Ragnar. Oui! Oh là là, magnifique ce javelot en plein vol. Oh là 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 là. C'était tellement beau. Vous voyez, Minus a mordu le cul du mec. Je suis trop content que le clébard il agisse. Je sais pas trop ce qu'il fait, je sais pas si c'est de l'infanterie, de la cavalerie. Je sais pas dans quoi ils ont classé ça. Mais c'est plutôt rigolo. Alors. Il reste deux petits malheureux qui essaient de fuir. On va les laisser tranquilles. Je crois que mon café est prêt.
L'ancienne nordique, quoi. Ouais, ça me fait un peu chier de prendre des anciennes nordiques, mais bon. Hop, hop, et des brutes. Capacité du... Ah merde! Je laisse tout le butin à mes hommes, ça leur montrera leur, leur morale et tout. Propriétaire libre nordique, ouais. Jeune guerrier nordique. Ils sont où? Je les trouve pas. Ah, ils sont là. On est 13. Ah bah putain. Alors, Jorvik. Jorvik, quoi. Ouais, c'est ça. Vas-y, va Jorvik, gros. Je voudrais aller à la taverne, voir un peu s'il n'y a pas du... des trucs à vendre. Des trucs à vendre. Non, c'est pas des trucs à vendre que je cherche. C'est un marchand d'esclaves. Fille de joie, marchand d'esclaves, super. Babababam, babababam. Non mais attends, on va pas aller faire l'unité, te casse pas la tête gros. Hop, oh, 3578. Elgi. Pour passer le temps avec un compagnon de voyage, si vous le permettez. Très bien, ça ne me dérange pas. Mon nom est Elgi, tueur de Danois et d'esclaves. Je suis le second fils d'un chef de guerre viking. Je viens d'une région qui se situe à l'est de la Norvège. Je suis un guerrier viking Svar. Je suis venu chercher fortune en Angleterre, j'ai voyagé de loin. Alors si vous connaissez un chef de guerre dont l'envie est de gagner des batailles au lieu de dorloter ses soldats, j'apprécierais que vous me présentiez. Ah bah allez. Allez. Voilà, 300 pièces, super. Elgi. Eh bah je pensais pas qu'on pouvait avoir d'autres compagnons que ceux du scénario. C'est super ça. Ça en fait plaisir. Elgi. Elgi, Elgi. Je sais pas comment on dit. Alors, du blé, du blé, du blé, voilà. Bon, bah, j'ai mes 8 sacs de blé, là, du coup. Bon, je vais d'abord aller à Dunsister. Sister. Sister, ouais. Sister. Voilà. Histoire de lancer des constructions. Je sais pas si c'est un village ou un château, en fait. Je dirais que c'est un château. C'est un château, putain. C'est bon, ça. Bon, alors. J'irai la garnison, j'irai le château, bah alors. Construire un poste de message, j'ai construit une prison, une forge, une brasserie, un sanctuaire pour les dieux nordiques. Un sanctuaire favorise une dévotion pour les dieux païens en tant que membre du groupe détenant le niveau des... Agathinos, 7028 jours. C'est génial. Franchement, je suis trop content. Alors, des recrues potentielles, il y a... trois machins, d'accord. Alors, gérer la garnison. Oh, j'ai déjà une garnison en plus. Ou alors, il y a combien de troupes? Cinquantaine. C'est parfait. Alors, on va lui donner tout ce qui est pas, tu vois. Voilà, guerrier saxon, lancier d'élite en garde, vétéran nordique en garde, Elgi en garde, fermier, ça dégage. Lancier angle, ça dégage. Gauthier, ça dégage. Aide de camp, ça reste avec moi. Prêtre picte, ça dégage. Paysanne, on va les garder. Hein. On va se faire une petite. Enfin, on les garde. On les garde, les fifilles. Cavalerie, ouais, je vais la garder. Ça peut toujours servir. Les marins, ils dégagent. Jeune guerrier nordique, je garde. Chasseresse, je garde. Lancier nordique. Que je garde. Et puis c'est bien. On est bien comme ça. Ensuite, salle du seigneur. Ok. Ok. Il n'y a pas de ministre ou... D'accord. Je ne respecte et rends hommage qu'aux dieux païens. Attends, je respecte et rends hommage aux dieux païens, prions Wooden. Ouais. Alors, nous avons besoin de... d'argent pour recruter des guerriers et pour tuer leurs lâches ecclésiastiques. Ouais, je donne des thunes au Gauthier pour remonter mes relations avec les païens. Est-ce bien utile? Je ne suis pas sûr. Non, gérer le château. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Une forge peut-être? Un forgeron fabrique et vend des outils et armes, entend hein? Ouais, en fait, ça va nous permettre... Ah, ça c'est bien ça. Ouais, je prends ça. Là, je suis en train de faire une brasserie, ça va augmenter la loyauté de la ville, et certainement ses revenus aussi. Donc, bah, c'est tout bénef, quoi, tout simplement. Donc, par contre, 23 jours, je crois.
Et Don Ham, c'est à moi alors ou pas? Vu que c'est lié à Don Seister. Personnage. Non, j'ai que Don Seister. C'est déjà bien. Non, je suis vraiment content. Par contre, il va falloir qu'on lui foute une putain de garnison. Je dois obtenir la permission de recruter ici? C'est nouveau ça. Bon. Maintenant que j'ai mon blé, je vais retourner au mur d'Adrien. Je suis en guerre ou pas alors avec eux? Ouais, je suis en guerre. Ça pue. Je vais me faire piller tous les 2 minutes. Ça va être une catastrophe ce truc. Mur d'Adrien, s'il te plaît. Il est pas là? Mur d'Adrien. Hop, c'est reparti. Oh, 1400 balles de revenus, c'est génial. Ça paye toujours pas mes soldes, hein, tout ce que j'ai construit, mais bon. Ouais, il y a un banquet, on va y aller. Parce que le banquet, c'est aussi un tournoi, donc faut pas hésiter. Alors, Elgi. On va le renommer, hein. On va le renommer, comme ça on sera moins emmerdé. Alors, quoi? Il ne vous regarde pas dans les yeux quand il parle. J'ai pas les... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, j'en ai que 7. Je croyais que j'en avais 9. Bouli boulé. Quête échouée. Alors. Je demande à ce qu'ils me soutiennent pour avoir le village à côté de mon château, il me soutient. Personne ne veut joindre à vous, non mais sérieux quoi. Je suis gentil, moi je suis Tonton Krug. Tonton Krug il est... il est sympa quand même. Non. Je suis le genre de gars plutôt... Non. Bon. J'ai pas regardé où était le tournoi en fait. Je sais qu'il y a un tournoi mais je sais pas où il est. J'imagine que ça est d'un bourg. J'en ai aucune idée. Hein. Vas-y, tu saoules. Oh putain, j'ai plus 15 000 balles. Oh, peu cher. Ah non, c'est dans Prophecy of Pandore où je suis riche. Non mais vous êtes sérieux. V'là la troupe de bandits, quoi. Allez, Nold! Allez, Tata Nold! Allez! Il est où, Agathinos? Ah, je reconnais pas mes hommes, quoi, c'est horrible. Là, il y en a un qui est pas nous, mais je sais pas lequel c'est, quoi. C'est... Lui? Ah, c'est lui. Ouais, c'est là. Il y a un Simbel là. Simbel, c'est. Comment dire? C'est un terme pour dire banquet. Alors, hall d'hydromel. Villageoise, enfant. Ok. Ok, bon là on est d'accord, j'ai mon blé, hein. Bon. On va attendre ici un moment jusqu'à ce qu'il fasse jour. Et par la magie du soleil qui se lève, il fait jour. Rejoindre la compétition, pariez sur vous-même, c'est parti, combat. On parie toujours sur moi-même, hein, vu que... Ouais, j'ai pris comme habitude de parier pour le gagnant.
voyez? Donc voilà. L'autre il passe devant moi en plein, non mais. Oh 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 oh. Hey, hey, on se détend là, on se détend. Défenseuse du camp. Hop là, parier, 100 pièces, continuer, combattre. J'échoue. Pichour. Oh là, il y en a du monde. Non mais il y a trop de monde en fait. Bah ouais. Ok. C'est GG? C'est GG. Non, deux équipes de 1. Ah ah, deux équipes de 1. Mais est-ce qu'une équipe de 1, c'est vraiment une équipe? Non? Ça me paraît bizarre. Ouh! Oh, ces esquives latéraux-latérales. Oui, bon, bah, allez. Il reste 4 participants, 2 équipes de 1. Ah bah oui, une hache à deux mains, tu la prends à deux mains, sinon c'est de la merde. Allez, finale. J'ai une lance, j'ai une petite hache sans bouclier. Ah mais sinon fallait me laisser à main nue, non? Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi te faire chier? Tu me mets à main nue contre un mec surarmé et puis c'est tout. Hein. Pas de problème. Ah ouais. Non mais c'est pas très sympa, qu'est-ce que t'as fait en fait? Heureusement que je suis un titan. Putain, et je pense toujours pas à mon berserk. Alors, ils ont passé une couronne. Ok. Bon, écoute, c'est bien. Visiter la salle du seigneur, y a-t-il quelqu'un? Il y a un Skald, il y a Sigrun, vous devez être Kruger Albloxon, ouais. Qui es-tu? Je suis la fille de Guthred. D'accord. Svanhild, toi t'es une vieille toi. La sœur de machin, non mais toi t'es pas, non, je... désolé. Passe mon tour. Aldan, nana. Je vous soutiendrai avec plaisir. Tâche qui m'a confié, j'y travaille encore, je sais pas ce que c'est. D'accord, il veut pas que je serre sa gamine, d'accord. Bon bah, va falloir que je donne, ouais, je vais te donner ma victoire. Voilà. Mais je, c'est tout, tu vois, je, hop, on va pas plus loin, je drague pas, je lui dis pas que je suis son fidèle admirateur, machin. Moi je veux la fille de Ragnar, toujours. D'ailleurs, en parlant de ça, il va falloir que je retourne à... Faut que j'aille la voir quoi. Alors, donc ce qu'on va faire, je vais finir. On va finir. Je vais aller rapporter le, hop, le blé à l'autre tétard. Là. Puis après, je vais aller faire un petit tour. Je vais aller faire un petit tour au bercail, voir un petit peu Alof. C'est Alof, je crois, hein, la fille que je drague. La fille de Ragnar. Je crois que c'est Alof. Pichour, pichour, non, il n'y a pas de bijoux qui tiennent, d'accord, ça marche. Ah, il est là. Voilà. Alors, merci, nanana. En outre, je vais vous donner un de mes fils pour vous servir en tant que soldat. C'est un garçon fort et courageux. Je lui ai dit d'aller préparer ses bagages, nanana. Vous avez sauvé nos vies, ok. Bon, donc là, je vais me retrouver avec le un Romain dans mon armée, en fait. Il va me rejoindre, je crois, sur la route. Bon, alors, on avait dit quoi? Ok, donc c'est le fils du vieux Romain qui arrive. Caillot. Le grand Caillot.
Nous percevons encore. C'est un excellent pisteur. C'est cool. J'aurais préféré l'avoir avant, parce que donc le pisteur, ça va être tracking, pathfinding, un peu. Repère. Ah ouais, 8, putain, 8 en marche forcée, 8 en repérage. Oh là là. C'est bon ça. Alors il est où? Caillot, marche forcée, 8 plus 2. Normalement, je vais me déplacer. Oh. Franchement, on s'en fout. Je te le dis, non, mais voilà. Sincèrement, l'histoire du mur d'Adrien. Bon. Ah, le repère de voleur que je dois détruire pour je sais plus trop qui. On va leur péter la gueule. Ou se faire péter la gueule, on sait jamais avant de commencer. Je m'équipe du couteau de Ragnar. Ouais, non, je vais garder mon épée, elle a plus d'allonge quand même. Il faut vraiment que j'essaie de d'améliorer le couteau de Ragnar. Ah bah tu es mort, hein, oui, tu as mangé dans ta tête. Mais oui. Oh merde, il est pas mort. Et je pars même plus les coups, quoi. C'est bon? Ça a l'air d'être bon. Ok, maintenant je vais aller nettoyer la caverne. Agatino, c'est niveau 7, c'est cool. Ça me fait plaisir. Il faut que j'aille voir les compétences d'Elgi. LJ. Elgidor. Elgidor, c'est qui Elgidor? LJ dehors. Il me dit quelque chose. LJ, je sais pas ce qu'il a comme compétence. Parce que j'ai toujours pas de réel mentor, j'avais Bodo avant, mais Bodo il m'a trahi comme une petite. Comme une petite morue, il faut le dire. Hein. Comme une petite tapette. Ah oui! J'adore. Ça me fait toujours un drôle d'effet quand je touche quelqu'un avec un javelot. Vu que je vise comme un cul et que mes skills de javelot sont à chier. Toujours un petit peu fier quand j'y arrive. Agatino, ça a été assommé. Ouais. Ah bah Agatino, c'est pas un guerrier non plus, quoi. On peut pas lui en vouloir. À une carte, tu vois, c'est déjà un peu plus gênant. Tu viens de battre? Oh oui, j'ai touché. Eh, je sais pas, alors je sais pas si vous avez entendu le schkunk, mais j'ai touché le bouclier, quoi, putain. Oh, la tête qui vole, j'adore. La tête qui vole et qui roule. 246 en arme à une main, on avance très 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 bien, les amis. Voilà. Allô? Y a quelqu'un? Youhou! Eh bon, c'est le GG. Ah non. Je les entends dégueuler, je croyais que c'était le GG, mais pas du tout. Oh, tu vas réussir à te le faire ou bien? Noldorice qui a encore tué un bandit. Elle est à fond, hein, putain. Par contre, j'ai vu tout à l'heure, elle se bat à la lance. Peut-être lui filer une épée quand même. Peut-être lui filer le couteau de Ragnar. Elle le mérite, hein, avec le nombre de kills qu'elle fait quand même. Ok, on a réussi à les bourrer. Alors. Que de la merde. Tiens, je vais prendre le poulet quand même. Ok, le principal c'était de finir la quête, après le reste. Pas très important. Par contre, je ne sais plus du tout qui m'a donné cette quête, quoi. Ah bah. Voilà. Voilà. Ah, il se souvient lui. J'aimerais me présenter pour cet honneur. Très intéressant. Okay. Est-ce que tu as une tâche à me confier? Je viens avec la mission. D'accord. Bon, donc on va aller voir un peu ce qui se passe à la maison. Alors j'ai plusieurs choses à faire. Ah.
J'ai trop d'hommes. Eh oui. Ok. Ok, 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 bah oui. Bah oui, bah oui. Oh ouais, non, je monte pas là-haut, elle va te faire foutre. Alors, visiter la salle du Seigneur. Et ensuite se promener en ville. Comme ça, je devrais pop. Se promener en ville. Voilà. Oh non, sinon, faut se taper tout le chemin, laisse tomber. Quoi. Maître de guilde, voilà. Qu'est-ce que t'as? Non, pas du travail. Voilà. Je vais faire une brasserie. Ça me rapportera 472, c'est très bien. Hop. Bon, je suis ruiné par contre, il faut qu'on trouve de l'argent très rapidement. Allez, 6000 balles, on peut pas non plus dire que je sois ruiné, ruiné. Oh, faut pas déconner non plus, quoi. C'est quoi ça? Des commerçants. Les commerçants, je les attaque pas, moi. Je suis pas un méchant, vous le savez. Tiens, Ivar, mon ami, moins 20. Bon, ça va, moins 20. Le mec, il me traite de traître. Il se soutient tout seul, lui. Alors, est-ce que t'as une tâche à me confier, mon ami? Ah, mais non. D'accord. Nous nous reverrons, bien sûr, monsieur. Dans de meilleures conditions. Dunham, voilà, ils m'ont donné mon petit village. C'est parfait. Maintenant je vais arrêter de réclamer des terrains, c'est juste comme ça, voilà, j'ai les deux villes côte à côte, enfin les deux sites côte à côte. Je vais essayer de les défendre du mieux que je peux. Dunseister et Dunham. Voilà. Donc là je suis déjà en train de construire un truc, on va voir ce qu'on peut construire à Dunham. Il y a des brigands là, faut que j'aille péter les brigands. Alors gérer les trucs. Vas-y, casse-toi avec tes logs à la con. Une école, je crois. L'école c'est pour la loyauté. Hein. Voilà, ça augmente la loyauté de 1 par mois. Donc là, pour le coup, on va aller au centre du village, voir si le chef a pas des quêtes à me donner. Les quêtes qu'il va me donner me permettront d'augmenter donc mes relations, évidemment, avec eux, ainsi que leur prospérité. Hein. Voilà, si on leur amène du bétail, ça va leur faire zizir, et puis ils seront plus prospères. Et plus le village est prospère, plus Tonton Krug il a de pognon. C'est du gagnant-gagnant, tu vois. Bah oui. C'est toi le chef? C'est toi le chef. Bonjour chef. Alors. Ok, faut que je leur apprenne à se défendre. Alors. Fallait que je regarde ça d'abord. Oh la vache, il coûte 52 par mois lui. Ça va, tranquille. Non, c'est toujours pas un mentor, j'ai pas de mentor. Laisse tomber. Alors, pillage, ingénierie, entretien d'armes. Tu vois, j'ai aucun. Enfin, j'ai. Oh, quoi que non, attends. Moi, je suis mentor, quand même. Attribut compétence. Mentor. Ouais, je suis niveau 4. Peut-être point de compétence. Ouais. On va les garder, on va les garder. Ok, donc Dunham. Si, Dunham. Attends. Déjà, je vais me choper ces connards, là. Oh non, 247 c'est trop. Moi je veux bien faire la bagarre, mais là c'est trop. Allez, hop, tu passes à côté, tu dis, ouais, c'est pas grave, on va pas attaquer Tonton Krug. Ah mais ils sont chauds patates les mecs en fait. Non. Alors je pourrais effectivement leur proposer de rejoindre mon armée. Parce que vu la persuasion que j'ai et tout, je pense qu'ils me rejoindraient. Mais le problème c'est qu'on perd en honneur. C'est déshonorable de recruter des brigands, manifestement. Bon, pas pourquoi. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Qu'est-ce qu'ils font? Le mur de bouclier de fifou quand même.
je, ouais. Moi j'ai que des troupes de merde, alors je peux pas me permettre d'attaquer. Ils sont 250 dans l'armée du seigneur qui vient de traverser mes terres. Je peux pas. C'est impossible. Mais totalement impossible que je me les fasse. Non, j'ai beau réfléchir, parce que il suffit qu'il ait deux berserk et puis ça y est, je suis mort quoi. Donc là je touche à rien, je laisse surtout mes troupes faire. Faut qu'elles gagnent de l'XP mes troupes. Hop, une petite charge générale pour les survivants. Qui c'est qui a toussé là-haut? Aucun respect les mecs. Ils toussent en plein let's play ces enfoirés. Alors. Le jeune guerrier est tombé inconscient, tout seul comme ça. Tranquille. Ils le rattraperont jamais de toute façon, autant que je me les fasse. Allez, on peut se les faire. Oh le ratage. Ouais. C'est le GG. Ok, alors paysanne, ouais, on recrute. Bon, écoute, de toute façon, on va tout recruter. Hein. Ce que j'utilise pas, je le balancerai en garnison dans mon château. Ouais. 18,85. Okay. Non, parce que j'ai deux nouvelles recrues à entraîner, faut pas oublier. Alors, Elgi n'aime pas une carte. Ouais, bah. Hop. Privilégie personne pour l'instant. Quinze jeunes guerriers, ça fait plaisir. Ça commence à monter, ça fait plaisir. Mais toi, t'es trop gros. Pas que je veux pas me battre avec toi, hein. Enfin contre toi, mais ça va pas le faire. Huit jours. C'est bien 8 jours. Alors, on va te voir. 8 jours, ok. Gérer la garnison, on va lui refiler des petites merdes. Ah ouais, c'est ça, c'était les fermiers que je voulais lui donner. Ouais. Là, là. Je suis sûr qu'il est super content que je lui ai donné cette nouvelle garnison. Bon, on essaie d'entraîner. Parce que si je les entraîne, je vais sauvegarder quand même. Parce que si je me mets en entraînement ici, je risque de me faire attaquer par le seigneur en fait qui se balade là. Seigneur bleu. Deux d'entre eux sont prêts. Intéressant. Et les cunus? Comment ils vont les cunus? Ils ont l'air d'aller bien les cunus, dis donc. Oh, 4 points d'expérience. Waouh. Alors là, attention jeudi, c'est formidable. Le vendredi aussi. Oui, c'était nul. C'était nul. Je recrutais des volontaires. J'ai fait une bêtise. J'ai recruté des Anglais. Oh merde. Oh fuck. Ah non, c'est les copains, ça. C'est bon. Ils sont en train de courir après les. Ok, nickel. Parfait. Donc, si j'arrive à monter ma relation avec mon village à 30, 40, 50, 90. Au lieu de recruter des peuples libres ou des propriétaires, je vais peut-être pouvoir recruter des jeunes guerriers. Ça, ce serait... Ça nous sortirait de bien des problèmes, vois-tu. Ouais, entraîner les paysans, tout à fait. Ouais. Tu t'y as fait.
Votre relation avec le royaume d'Ulster diminue. J'ai encore rien fait. Ouais. Tout ça parce que j'ai brûlé, dans ma jeunesse, j'ai brûlé 2-3 monastères. C'est bon quoi, ça me poursuit. Aïe. Ouais. Je suis pas trop. Je l'ai pas vraiment touché là, j'étais à 4 km de lui. Ça m'étonne. Après, s'il dit que je l'ai eu, je l'ai eu. Bon, pas chiant. Je suis un peu chiant. Mais là, en l'occurrence, je ne se prononce pas. Voilà. Je pense que c'est le dernier entraînement. Là, on va pouvoir passer à la bataille. La petite bataille. Ah bah oui. Patate dans ta gueule. Un coup de bâton. Ok, c'est parti. Donc je défends le village et je commence à l'extérieur du village. C'est un peu bizarre ça, non? J'ai plus l'impression de l'attaquer là, le village, si tu veux. Ouais. D'accord. Non, mais... D'accord. Ok, donc là, pendant que j'étais en train de les bourrer, j'ai lancé la charge. Donc là, ils arrivent, ils vont les charger dans le dos, finalement. Parce que là, les mecs, ils sont plus occupés à me taper sur ma gueule à moi. Et à attendre de voir ce qui se passe derrière eux. Et donc, ça va être le bain de sang, la curée, la fessée. Ils vont en prendre plein de cucu. Là, ils vont... Là, c'est, ouais, là, voilà. Et ça, c'est la stratégie, ça. Donc, ouais. Bon, IRL, tu fais pas ça, hein, parce que si tu fais ça, les mecs, ils vont te couper en deux, quoi. Puis ils vont pas se retourner sur toi pour... Non. Non, ça marchera pas. Ça se tente, mais moi, je le tente pas. Hop, je leur laisse tous les trucs, bien sûr. Et donc, on est déjà à 16 avec la population, ce qui fait que les recrues... Ben, je suis content, dis donc. Ouais, parce qu'en plus, ouais, c'est très con. Alors, hop. Mon bon seigneur, le village fait face à certaines privations. Ils veulent des sacs de grains. 6 sacs de blé. Okay. Ça marche. Amis viewers, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Des bisous. À demain. Ciao, ciao.